précédemment dans La Famille en scène, Livia a fait une échographie de son bébé et elle a annoncé à ses enfants que le bébé était en pleine forme. Alors maman, le bébé est en pleine forme. Adixia a dit à Sandra ce que Alex lui a dit au téléphone. Ça va Adixia? Bon, ça va Adixia? Bon, écoute, je vais pas y aller par quatre chemins. J'ai eu Alex au téléphone à la plage et il m'a dit que c'est Pablo qui a fait disparaître Théo. Quoi? Adrien et Manon se sont embrassés. Hein. Oh, je suis désolée. Non, c'était... Jinichi a un plan de drague pour séduire Cédric. Bonjour Cédric, tu es très beau, tu sais. Merci. Enfin, Alex avoue à Nicolas qu'il a un fils. Écoute Nicolas, j'ai enquêté sur toi parce que je te connaissais pas et t'as un fils. Quoi? Et j'ai découvert que t'avais un fils. Quoi? Juanito. Juan? Tu le connais? Mais c'est le fils de Peter Watson. Quoi? Oh! Mais enfin, Alex. Oh, je suis désolée, j'ai dû me tromper quand j'ai enquêté. Oh, mince. Putain. Oh, je suis désolée, Nicolas. Non, mais c'est pas grave. Oui, t'as peut-être enquêté, t'as vu que tu connaissais un certain Juanito. Non, j'ai pas vu que tu le connaissais, j'ai vu que c'était ton fils. Ou alors c'est moi qui me suis trompée. Oh, je suis désolée, Nicolas. Mais c'est pas grave. Ça me fait plutôt rire. C'est presque prêt, hein. Non, mais s'il faut, les enfants, ils mangeront sur la petite table, hein. C'est pas un problème, hein. Non, mais j'ai d'autres chaises, hein. Ah! Non, parce que sinon, ils pouvaient très bien manger sur la petite table, hein. Oui, ça m'aurait pas dérangé. S'ils veulent, ils peuvent manger sur la petite table, il n'y a pas de problème. Hein. Bon, je finis de mettre la table. Après, je vais chercher les autres chaises. De toute façon, le barbecue, il est prêt. Donc, voilà. Tu veux que je t'aide? Bah, tu sais quoi? Va chercher les autres chaises et moi, je mets la table. Ok. Et voilà, j'ai fini d'aller chercher les autres chaises. Et moi, j'ai fini de mettre la table. Ah bah comme ça, on les quitte. Ouais. Ouh, mais je vois qu'il y a de la préparation dans l'air ici. Ah, mais dis, tu m'as fait peur. Non, il nous a fait peur. À table. Miam, miam, ça a l'air trop bon. Bah, vous êtes déjà là, les enfants. Oui, et Ayem, elle est où? Je suis là. Ah, Ayem. Bon, alors, on mange? Allez. Bonjour. Bonjour, on se connaît? Non, je m'appelle Jonathan et je suis un ami de Théo. Quoi? Vous êtes un ami de Théo? Vous connaissez Théo? À vrai dire, je suis son collègue de travail, mais aussi son meilleur ami. Oui, eh bien, écoutez, si vous voulez avoir des nouvelles, ben... Je peux vous en parler, hein, y a pas de problème. À vrai dire, je voudrais vous aider à le retrouver. Pas de problème, mais j'ai des informations très compromettantes sur un certain Pablo. Vous le connaissez? Pablo, j'en ai déjà entendu parler, oui. Eh bien voilà, c'est lui qui a
fait disparaître Théo. Quoi? Bon. Théo? Mais Théo, attends Théo. Allô Alex, j'ai vu Théo. Quoi? J'arrive. C'était très bon, mais c'est pas tout ça, nous. On va y aller, on a les valises à préparer. Hein. Bon Sandra, je te dis au revoir, hein, et puis ma foi, à la prochaine. Hein. Je suis désolée, on serait bien resté plus longtemps, mais on a les valises à préparer. Hein. Non, pas de problème. Et puis, ok, pas de souci, à la prochaine. De toute façon, je vais bientôt rentrer en France. D'ici 2-3 semaines, je suis en France. Bon, bah pas de problème. Bon, on y va les enfants. Bon, vous venez les enfants? Oui. Bon, je reviens dans 5 minutes. Hein. Pas de problème, mon amour. Bon, il est parti. Qu'est-ce que tu attends pour m'embrasser? Mais Ginny, je suis un homme marié. Et alors, on s'en fout. Je veux que tu m'embrasses. Mais Ginny, vous aussi, vous êtes une femme mariée. Hein. Et alors, on s'en fout. Je veux que tu m'embrasses. Alors, embrasse-moi tout de suite. Ben voilà, tu vois quand tu veux. Fanny rentre demain. Elle part ce soir. Bon, c'est bon, on a compris, Félix. Hein. Mais je suis trop content. Mais attends, Aya, mais tu te rends pas compte? Fanny rentre demain. Elle part ce soir de Los Angeles. Tu te rends pas compte, Fanny? Je me rends très bien compte, tu es super content. Mais on a compris, hein. C'est bon, ça fait des mois. C'est bon, ça fait 2 jours que tu nous en parles. C'est bon. Et j'ai le droit d'être content. Oui, mais c'est saoulant à force. Oh, t'es vraiment pas drôle, Aya. Ça y est, famille, c'est le grand départ. Ah ouais, mais ça va me manquer, Los Angeles. Ouais, moi aussi. Ah, mais tu peux pas savoir comme ça va me faire du bien de retrouver Félix. Bon, ça y est. Tac, ça. Et j'ai fini ma valise. Hein. Voilà, les valises sont bouclées. Je vais chercher les enfants. Ça y est, les enfants, vous avez fini de préparer votre valise? Oui, alors on y va? Oui. Alors, les enfants, on va attendre midi à l'aéroport, d'accord? D'accord, maman. Mais maman, est-ce que je pourrais aller voir Félix en rentrant? Fanny, t'es si pressée que ça de le voir? Oui, mais Fanny, on rentre demain matin. Non, je ne pense pas que tu pourrais aller le voir tout de suite. Pourquoi? Mais Fanny, on rentre demain matin. J'irai le voir demain après-midi. D'accord, maman. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur d'Adrien? Bah, c'est bizarre, Adrien me répond pas, il me répond d'habitude. C'est bizarre ça. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur d'Adrien, laissez-moi un message. Bip! Bah, c'est bizarre, il me répond pas, il me répond d'habitude. C'est bizarre ça. Et si on se mettait en couple, toi et moi? Très bonne idée, mamie. Alors, ça fait quoi de tromper sa femme avec une autre? Je dirais du bien. Et voilà les enfants, nous sommes rentrés à la maison. Trop cool! Ah. Alors, je suis désolée, Ginny, je peux pas.
pour moi.